Ah, me revoilà. Ces papiers anglais sont vraiment très très beaux. Donc j'ai fait un petit album. C'est bientôt le baptême de ma petite fille Rachel. Donc j'ai fait un petit album, on va dire un peu chic. Donc j'ai utilisé une plume, des perles que Chantal aussi m'avait envoyées dans sa pocket letter, des petits rubans, des perforations, le beau papier de chez Craft Consortium, ainsi que le papier à découper, le papier patch. Je l'ai utilisé ici comme des franges, un peu, enfin comme de la dentelle, du froufrou, comme c'est pour une petite fille, c'est très froufrou. Voilà, donc c'est assez simple. J'ai utilisé deux styles de découpe de chez Nelly Snellen pour faire des bordures qui sont d'ailleurs vendues par deux. Et je les ai utilisés en intercalant un coup la pointue, un coup l'arrondi. Donc j'en ai fait des pochettes pour mettre des tags. Donc là j'ai mis la date du baptême qui est prévue. Elle pourra coller des photos, en glisser dans les pochettes comme elle veut après. Là, j'ai mis une petite médaille que j'ai ramenée du Vatican à Rome l'été dernier. J'en ai pris plusieurs, je les ai partagées avec mes meilleures amies. Ensuite, j'ai fait quelques tags, donc de tailles différentes, hein, des plus petites aux plus grandes. Donc je vous montre, c'est vite fait. Donc, ces papiers sont vraiment très chics, je les adore. Donc là, j'ai embossé des coins. J'ai mis un petit peu d'encre verte dessus. Là, bien, comme c'est pour le baptême, j'ai mis une jolie croix en papier aussi. Voilà, donc encore des pochettes avec des tags tout le long. Voilà. Là, j'ai réalisé une grosse fleur avec du papier, toujours le papier patch. J'aime bien, décidément. Je les trouve très jolies. Avant, je trouvais que c'était un peu, je sais pas comment dire, un petit peu enfantin le patch. Puis finalement, on peut faire de très jolies choses si on trouve les papiers qui nous plaisent. Donc là, j'ai fait une pochette encore avec deux tags. Voilà, ces papiers sont extra, je les adore. Je crois qu'il y a quatre séries de papiers pour cette nouvelle collection. Et je vous montrerai les prochains une autre fois. Parce que vraiment, j'ai craqué. Et à l'arrière aussi, j'ai fait le petit froufrou. Ça me fait penser un petit peu aux bloomers des bébés, là, leur petite culotte à froufrou. Donc, ça, voilà. Pour une petite fille, je trouve ça mignon. C'est sympa. J'espère que ça plaira à ma fille. Et voilà, on mettra les petites photos de cette journée qui est prévue et qui, j'espère, sera ensoleillée. Voilà. À bientôt!